bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs dédiée à la Thaïlande. Moi c'est Richard. Moi c'est Franck. Et pour notre premier jour ici à Bangkok, une ville qu'on adore, on a trouvé là un spot exceptionnel, un point de vue insolite en haut d'une tour. Mais comment sommes-nous arrivés là? Réponse. Bon, après une petite demi-heure de marche depuis l'hôtel, hein, dans le quartier Lumpini, là on arrive près de la Ghost Tower. C'est cette tour qui est ici, en fait, qui est un projet immobilier qui a été abandonné suite à la crise asiatique du début des années 2000. Et certains réussissent à aller là-haut, on aimerait bien réussir à y aller. Apparemment, il faut soudoyer quelques gardiens. Allez, on va tenter. Bon les amis, on a réussi à rentrer dans la fameuse tour, hein, la Ghost Tower. Là, il va y avoir 50 étages à monter. Et bon, en fait, on s'est retrouvé avec deux touristes qui étaient comme nous, qui voulaient visiter la tour. Et bon, on a trouvé un gardien qui nous a laissé passer pour 500 bahts, hein, ce qui n'est pas donné, puisqu'on avait lu des histoires où c'était autour de 200 bahts. 500 bahts par personne, mais je pense que ça les vaut. On a une heure pour atteindre le sommet et faire des super plans. Il y en a qui viennent se suicider ici, il y a aussi des meurtres. Bon, vous inquiétez pas, hein, tout va bien pour nous, il est midi, il y a d'autres touristes ici, donc c'est sécure. À quelques centaines de mètres, c'est sa sœur jumelle en fait, mais celle-ci, ils ont eu le temps de la finir. Bon, ça y est, on est arrivé en haut de la tour après trois quarts d'heure de grimpette, 50 étages quand même, on a bien transpiré, et là on a une vue vraiment panoramique à 360 sur toute la ville de Bangkok, c'est magnifique. On voit la rivière Chao Phraya qui s'écoule juste en dessous, l'ensemble des temples, la skyline de Bangkok, franchement c'est exceptionnel. Déjà la fin de cette première vidéo à Bangkok. On espère que tu as apprécié la vidéo. Rassure-toi, il y en aura d'autres avec les visites plus incontournables. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram, en passant par Twitter ou encore ici YouTube. Et puis pour tous les conseils pratiques, comme d'habitude, c'est sur le blog voyage onedayonetravel.com. Allez, ciao!